family. We are one incredible family. We are learning to live together. We are learning to love one another. We can be just who we are. We can be one incredible family. Time will take us where we go, and love will show us what to do. Maintenant, une note importante à propos de ce site sacré de Montserrat. La même note s'applique aux autres sites sacrés où la même histoire s'est produite partout en Europe, voire partout sur la planète, tout au moins dans l'hémisphère occidental avec notre civilisation judéo-chrétienne. La montagne de Montserrat est un vortex multidimensionnel. Il est situé sur des lignes méridiennes de la Terre, à des croisements. Le site est considéré par un certain nombre de speakers conférenciers dans ce congrès comme le chakra du cœur du site sacré numéro 11, qui, je le rappelle, recouvre les Pyrénées, une partie du Languedoc-Roussillon, une bonne partie, sinon toute la Catalogne, jusqu'à la mer. Chakra du cœur, énergie divine. Nous sommes venus chercher il y a longtemps les initiés. Les Celtes ont eu des temples sur ce site et des sites similaires. Ensuite sont venus les Esséniens. Et à cet endroit, Montserrat, probablement, ainsi le disent les conférenciers dans ce congrès, probablement sont venus Marie-Madeleine, probablement des enfants de Jésus, et certains conférenciers disent Jésus lui-même serait venu à cet endroit, Montserrat, à l'époque. Ensuite, quand tout ceci est passé dans le temps, un événement a eu lieu, comme à d'autres endroits sur les sites sacrés. Quelqu'un de la montagne, ou un prêtre, un simple moine, a découvert, à l'aide, selon les récits, d'une lumière qui est apparue dans la montagne, a découvert une statue d'une Vierge noire. Les Vierges noires en ont absolument rien à voir avec un culte des ténèbres. C'est connu depuis longtemps dans tous les sites sacrés, y compris dans le site sacré des Cathares, près de Tarascon ou Saclébin. C'est une représentation de la déesse mère, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Mais évidemment, l'archevêque catholique de la contrée a pris immédiatement cet endroit, a mis son grand chapeau dessus, et a dit, ben voilà, c'est à nous maintenant, l'Église catholique, et ce sanctuaire, c'est le sanctuaire de Marie, la Mère de Dieu. Bien. Marie n'a jamais parlé de ce genre de choses. Marie fait partie d'une sororité, qui est une fraternité cosmique de femmes qui apparaissent partout. Ce n'est pas toujours Marie. Ça n'est pas son nom, de toute façon, on connaît dans l'univers. Son nom est Atiya. Quant à Dieu, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il n'a jamais dit « appelez-moi Dieu ». Il n'a jamais dit « adorez-moi ».
Il n'a jamais dit « faites une religion de moi ». Il n'a jamais dit toutes ces choses. Tout ceci a été fabriqué par l'Église catholique pour prendre le pouvoir luciférien du Sanhédrin, qui était la religion qui se trouvait en Palestine à l'époque. Pour tout ceci, vous trouvez des crieurs de vérité, des speakers tels que David Icke, qui expliquent très bien ces choses. Donc on comprend bien que l'Église catholique, ayant pris la main, fait une mainmise sur Montserrat, a commencé à construire un sanctuaire, à construire un monastère, et a obligé les gens à venir faire le culte de Marie, la Mère de Dieu, et le culte de la Sainte Mère, l'Église. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la montagne elle-même. La montagne continue à être un vortex multidimensionnel, continue à avoir des portes, on continue à avoir régulièrement des UFOs, c'est-à-dire des vaisseaux qui sont vus au-dessus. Il y a des gens qui connaissent les endroits des vortex et qui connaissent la façon de communiquer comme les initiés du temps passé. Et ces gens-là ne vont pas dans le monastère, pas plus que le congrès n'est venu dans le monastère. Toute la zone de Montserrat est managée par la commune de Monastir de Montserrat, qui est une autorité civile. Ils ont fait une belle route, ils ont fait un parking, un portail, vous payez le parking. Et ensuite, les pèlerins vont au monastère s'ils le souhaitent. Mais il y a des hôtels, des restaurants, il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le monastère. Et d'ailleurs, en face du monastère, de l'autre côté de la route, se trouve un bâtiment qui contient une cafétéria, un restaurant et des salles en dessous, justement pour des événements comme le congrès mondial UFO, qui s'est tenu dans une des salles qui donne sur le canyon, le vortex, avec des fenêtres, qui s'appelle la salle Michael. Aurait-il besoin d'en dire plus? Sinon que ça n'a absolument rien à voir avec la présence du monastère, quelles que soient les choses qui puissent s'y passer et que l'on retrouve un peu partout sur Internet, étant donné qu'aujourd'hui les activités de l'Église catholique sont révélées de plus en plus. Il ne faut pas mélanger les deux, que ceci soit bien clair. Pour donner un parallèle avec ce qui s'est passé à Montserrat, et qui encore une fois n'a absolument rien à voir avec les vraies énergies spirituelles qui existent toujours, la même chose s'est produite dans d'autres sites sacrés, du site sacré numéro 11, qui recouvre une partie de l'Espagne et de la France et des Pyrénées. Fatima. Dans les années 50, des prêtres catholiques ont commencé à dire « Eh bien, nous pensons que le deuxième soleil de Fatima était un ovni, était quelque chose d'extraterrestre. » Des photos ont été prises lors de l'événement de Fatima, où on voit clairement qu'il y a bel et bien un vaisseau spatial, un ovni, à droite du soleil. Et à nouveau, l'apparition qui a lieu à Fatima est peut-être due à Marie Atia, mais peut-être due également à d'autres. Toujours la fraternité de Sœurs de l'espace, qu'on appelle les Vierges cosmiques. Donc Fatima, de la même façon, a été mis sous le couvert de l'Église catholique, a été prise par l'Église catholique qui en a fait à nouveau un sanctuaire à Marie, la Mère de Dieu, et qui a dit que ben, les enfants de Fatima parlaient avec la Mère de Dieu. Et se sont ensuivis des messages, etc. à Fatima. La même histoire s'est reproduite à Lourdes, toujours dans le site sacré numéro 11, la petite Bernadette sous Birou, dans un vortex des Pyrénées, une espèce de grotte où il y avait une source probablement
qui guérissait depuis très longtemps, a donc eu des contacts avec un être. Bernadette n'a jamais dit que c'était Marie, la mère de Dieu. Non. Non. Des biographies existent sur Bernadette. Vous pouvez consulter, vous le verrez vous-même. À nouveau, l'Église catholique qui a voulu mettre la main mise sur Lourdes, sur cette affaire, est venue et a persécuté Bernadette pendant des années. Et les prêtres catholiques lui disaient « Mais tu as vu Marie, la mère de Dieu ?» Et la petite Bernadette disait « Non, 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 non. J'ai demandé à cet être comment je devais l'appeler. Et l'être m'a dit « Appelle-moi simplement la Dame Blanche. » Et les prêtres catholiques continuaient, année après année, « Ah, mais tu as vu la mère de Dieu ?»« Non, pas du tout, non, non, c'était la Dame Blanche. » Au bout d'un certain nombre d'années, Bernadette, semble-t-il, il n'y a pas de texte, mais semble-t-il, a dû dire « Écoutez, ça suffit, hein. Si vous, vous voulez que ce soit la mère de Dieu, Marie, moi ça m'est égal, laissez-moi tranquille, je vais dans un couvent. » Voilà l'histoire de Lourdes, voilà l'histoire de Fatima, voilà l'histoire de Montserrat et de beaucoup d'autres sites sacrés. On parlera dans d'autres vidéos des cathares où la même chose s'est produite. Sur tous les lieux sacrés cathares, on a construit des églises catholiques. Sur tous les temples celtiques, on a construit des cathédrales. C'est toujours la même histoire qui se passe partout. Une religion qui veut prendre le contrôle des masses et qui veut les garder comme un bon troupeau d'esclaves qui continueront à travailler pour l'élite et à qui on promet un paradis avec des grilles dorées, Saint-Pierre, et qu'ils retrouveront Jésus à la fin des temps. On leur fait des promesses, ainsi on les garde comme de bons esclaves et on sert d'intermédiaire avec soi-disant Dieu le Père. Tout ceci n'a absolument rien à voir avec les initiés, avec la vraie spiritualité que l'on trouve à l'intérieur de soi, dans des sites sacrés, comme ça. C'est totalement différent, absolument rien à voir, et que ceci soit bien clair et bien entendu.